Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je vais prier pour la parole. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton saint nom. Tu es le Dieu de grâce, le Dieu de paix. Père, tu nous as créés à ton image. Seigneur, ton but, c'est que nous puissions parvenir à la connaissance stable de ta parole. Père, je te prie cette nuit de m'utiliser comme un véritable instrument. Je ne suis qu'un instrument pour ta gloire. Je ne suis qu'un instrument, Esprit de Dieu, car tu veux parler. Tu veux me parler à moi-même en premier, ainsi qu'à mes frères et sœurs. Je te prie, tendre Père, de disposer le cœur de tout un chacun afin de recevoir ta parole. Car tu dis, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de toi. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, bien-aimé. Une fois, nous allons nous entretenir sur ce que Dieu a à nous dire cette nuit. Mais avant tout, j'aimerais bénir le pasteur Blanchard pour son message de la dernière fois. J'étais pas disponible de vendredi dernier, je crois, qui parlait en fait du bienfait de David à l'égard de Mephibosheth. Bien-aimé, je sais pas si vous le faites, mais en tout cas, je vous le conseille. Hein, c'est vraiment important de réécouter en fait ces enseignements. Ces enseignements sont disponibles sur YouTube. Et je crois que tout le monde a le compte YouTube de la Philadelphie. Et ça m'a fait beaucoup de bien ce matin, lorsque je partais au travail. J'écoutais le frère parler. Et je veux encourager quelqu'un cette nuit, dans la même dynamique que le pasteur, de ne cesser de faire du bien en fait. Bien-aimé, nous devons nous faire du bien. On doit se faire du bien. Et c'est même au travers de cet enseignement que le Seigneur m'a beaucoup parlé. Je lui ai même posé la question, mais qu'est-ce que je vais dire cette nuit? Moi, je communique beaucoup avec Dieu donc quand je suis en trajet, pendant mes trajets de voiture. Et pendant ces trajets-là, je maximise mon temps à écouter en fait un enseignement. La musique, c'est rare, mais c'est vraiment des enseignements tout le temps. Je maximise mon temps là-dessus. Et ce matin, je disais, mais Seigneur, sur quoi est-ce qu'on va parler? Sur quoi est-ce qu'on va parler? Et j'entends le frère dire, le bien, faire le bien. Je peux reprendre en fait juste une portion de l'écriture en question. Dans 2 Samuel, je vais prendre à part, dans 2 Samuel 9, moi je prendrai juste le chapitre 7. David lui dit, donc il dit à Mephibosheth, ne crains point, car je veux te faire du bien. À cause de qui? À cause de Jonathan. À cause de toi. À cause de toi. On dira ça de tes enfants. Bien-aimés, nous sommes tous appelés à propager la parole de Dieu. Nous sommes appelés à un ministère évangélique. Tout le monde, sans exception. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, en fait, dans le livre de Genèse. On va lire Genèse 1, 26 à 27. On va lire Psaume 8, 3 à 8. On va lire Matthieu 25, 40. Donc je commence par Genèse 1, 26, 27. Je lis à la version 8 secondes. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. J'aime bien cette répétition. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa homme et la femme. Je vais lire le second, non, je lirai les trois, et après on repartira sur chaque verset. Psaume 8, 3, 8. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu en prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu, inférieur à Dieu.
et tu l'as couronné de gloire, de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Matthieu 25, 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutefois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous avez fait, que vous l'avez fait. Amen. Bien-aimés, j'aimerais nous entretenir sur un fait, sur un comportement que chacun, sur une motivation, je peux dire ça comme ça, de chercher un Dieu lointain, sans savoir que le Dieu qu'on cherche est juste à ton côté, à tes côtés. Bien-aimé, pourquoi est-ce que je suis parti à la Genèse, à la création? C'est pour en fait comprendre la base de qui est l'homme en réalité. Comme je disais tantôt ce matin, en écoutant le pasteur Blanchard parler, en parlant de David, du bienfait qu'il a fait à Mephibosheth, il a dit, allez me chercher. Son père, Jonathan, m'a tellement fait du bien que moi, je dois rendre ce bien-là. Mais le bien ne tarit jamais. Le bien est une marque déposée de Dieu. Et Dieu dit, moi, nous avons créé, parce qu'il parle, il a parlé à la troisième personne du pluriel. Faisons, donc il parlait du Dieu, le Père, Dieu, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image. Bien-aimé, là où tu es assis, là où assise, sois conscient d'une chose, tu y es créé à l'image de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Tel que tu me vois là, tu vois Dieu en moi. Dieu, il ne passera que par moi pour te parler. Il ne passera que par le frère Léon, le frère Jean-Jacques, la sœur Nanette, la sœur Family, la sœur Sandra, le frère Mayoka. Il passera que par des hommes pour te communiquer sa pensée. Parce que nous sommes tous créés à son image. Donc lorsque tu fais du mal à ton frère, lorsque tu trompes ta femme, lorsque tu trompes ton mari, lorsque tu mens, tu fais du mal à Dieu. Vous savez, ça m'a glacé le dos ce matin quand je m'entendais parler. Et ça me glace encore le dos à l'instant T que je dis, lorsque tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, ou tu mens à l'autre. Tu ne mens pas à Satan, tu mens à Dieu en fait. Parce que je suis l'image de Dieu. Je suis faite en fait, je suis faite à l'image de Dieu. J'aimerais bien que vous fassiez un exercice cette nuit. Bien-aimés, chacun de nous a un téléphone qui a un appareil photo. Faites-vous une photo sur votre téléphone et regardez cette photo-là. Si l'image que vous trouvez là, elle est différente de vous. Pour cela, j'aimerais bien vous définir ce que c'est une image. Quand je prends la définition du mot, du nom, en fait, c'est un nom féminin, image. Selon Larousse, le dictionnaire dit quoi? C'est une reproduction d'un objet matériel donné par un système optique et en particulier par une surface plane réfléchissante ou un miroir. Reproduction d'un objet matériel. Représentation ou reproduction d'un objet ou d'une figure. Représentation
imprimer sur une petite carte ou une feuille ou un papier. Illustration 2. Personne ou chose qui présente un rapport de ressemblance. C'est ça l'image. Regarde-moi sur ton appareil photo. Ou si tu as une photo imprimée, regarde ta photo. Est-ce que la photo que tu vois là, elle est différente de toi? Si la photo là est différente de toi, donc nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas créés à l'image de Dieu. Bien-aimé, de la façon où toi tu te vois à l'image là, dis-toi une chose, que Dieu t'a créé de la même façon. J'aimerais faire une parallèle à ce que j'entends souvent, il n'y a que Dieu qui change l'homme. C'est vrai, je ne dis pas non. C'est vrai, cette annotation-là, il n'y a que Dieu qui change l'homme. Mais j'ai remarqué que nous sommes nombreux aussi à laisser passer nos bénédictions. Parce que cette phrase-là est devenue comme un slogan pour ceux qui refusent de changer. Pour ceux qui ne savent pas que non, l'autre là aussi, il est à l'image de Dieu. Pour ceux qui ne savent pas que ce Dieu-là ne passera que par l'autre là pour t'apporter une solution. Donc je pourrais dire cette nuit, bien-aimé, c'est vrai et c'est faux en même temps. Dieu ne peut pas changer l'homme comme ça. Parce que Dieu ne pratique pas l'ingérence. Sinon, Jésus-Christ ne serait pas venu sur la terre, bien-aimé. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Si Dieu a la capacité de pouvoir tout changer par lui-même. Pourquoi Jésus-Christ est descendu sur la terre? Parce que c'est lui, Dieu Tout-Puissant, qui a établi des lois. Et il ne peut pas violer lui-même ses lois. Donc pour qu'il te change, il passera forcément par un homme qui torpille comme moi. Forcément. Un homme qui ne te dira pas les choses qui vont plaire à tes oreilles. Donc, Dieu change des hommes au travers des hommes. Mon frère, ma soeur, si tu avais pour habitude de dire ça, il n'y a que Dieu qui change les hommes. Ah, il y a un comportement, ah, lui c'est son comportement. Laissons seulement, Dieu va le changer. Mais Dieu va le changer comment s'il ne passe pas par toi? Ça veut dire que tu es en train d'abandonner ta mission. Et si la personne en face refuse, ça veut dire que cette personne refuse à entendre Dieu au travers de toi. Bien-aimé, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. L'image, je vous ai défini là, c'est une représentation. C'est une reproduction d'un objet à l'identique. Regardez votre photo. Faites une photo cette nuit. Faites une photo là. Regardez cette photo si elle est différente de vous. Et c'est comme ça que vous êtes envers Dieu. C'est comme ça que nous sommes, pardon, excusez-moi. J'aime bien cette répétition. Il dit, nous sommes créés à l'image de Dieu, virgule, selon... Il dit, faisons l'homme à notre image, virgule, selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Notre ressemblance. C'est quoi une ressemblance? C'est un rapport entre des personnes représentant un certain nombre de traits physiques ou psychologiques communs. Bien aimé, je répète. Rapport entre des personnes représentant un certain nombre de traits physiques ou psychologiques. Bien-aimé, Dieu change l'homme au travers d'un homme. Bien-aimé, nous sommes nombreux, moi le premier, à parfois louper la visitation de Dieu parce qu'on juge tellement mal les gens. Oh, c'est mon mari, qu'est-ce qu'il lui peut raconter? C'est ma femme, qu'est-ce qu'elle lui peut être? Qu'est-ce qu'elle va raconter à nous? Mais c'est ce Dieu-là, il agit par des petites choses que nous banalisons parfois.
Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des dieux sur la petite. Nous sommes des petits dieux en fait. Nous sommes des dieux sur la terre. Comme Dieu ne peut pas pratiquer de l'ingérence, raison pour laquelle il nous a donné un corps, il dit, vous allez. Ok, le diable il s'est précipité sur la terre. Malheur à toi, terre. Mais j'envoie des gens à qui je dois sauver cette terre. Parce que la terre, elle nous appartient. Ce n'est pas au diable. La Bible, la plus loin, on pourra lire ça la prochaine fois. La terre nous appartient. C'est à nous. Il y a eu un intrus là. Raison pour laquelle le Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père afin de récupérer la vitalité, la force dont le Seigneur nous a confié, nous a donné depuis la fondation du monde. Je répète ce que Dieu dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance, on a les traits de caractère. J'ai le trait de caractère de Jésus. J'ai le trait de caractère de Dieu Tout-Puissant. Je parle comme lui. Il dit quoi? Et qu'il domine, parce que mon Dieu domine. Mon Dieu, il domine. C'est moi qui ai créé, donc je domine. Prenez un exemple, bien-aimé. Pour ceux qui ont des véhicules, je ne sais pas, je ne vais pas citer la marque. Parce que ce véhicule tombe en panne. Allez chez le concessionnaire, en fait, celui qui a créé ce véhicule-là. En deux, trois mouvements, il va vous trouver la panne. Mais quand tu prends, c'est la même voiture, tu vas donner à celui qui n'a pas créé cette voiture-là. Ce dernier va t'adonner. Ça se trouve qu'il va peut-être abîmer le moteur. Notre Dieu, il dit, c'est moi qui ai créé la terre. Donc, c'est moi qui domine ces choses-là. Je vous donne le pouvoir aussi de dominer sur les poissons de mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre. Parce que c'est le pouvoir que moi j'ai sur cette créature. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il se répète encore, il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. Nous avons été identifiés. Mais bien aimé, lorsqu'on poursuit un peu, en lisant ce que David dit, j'ai compris pourquoi est-ce que Dieu a dit que cet homme-là, ce petit-là, celui qui a les mains remplies de sang et l'homme sur son cœur. Regardez que sa pensée, bien-aimé. Il dit, quand je contemple les cieux, deux fois je reste là, je prends mon vol, je regarde dans les cieux, je dis, oula, franchement, quel dessin, mais qui a pu dessiner ça? Ce Dieu dit, c'est ce que David dit, il dit, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains. Il dit ça, c'est magnifique, mais comment? Qui peut faire un truc pareil? La lune et les étoiles que tu as créées. Ok, c'est magnifique, c'est good. Mais il y a une chose qui m'intrigue quand même. Seigneur, dis-moi, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Mon frère, ma soeur, aidez-moi à gagner le ciel. Moi, je veux vous aider aussi à gagner le ciel. Que l'hypocrisie ne règne pas au milieu de nous. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles devant vous, mais je vous demanderai de la voir devant vous et de lire en même temps, parce que Dieu y parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Regardez comment est-ce qu'un homme qui avait la même nature que toi et moi, David, il dit, je vois comment est-ce que le ciel il est. Oula, quel bleu. L'arc-en-ciel, mais comment il a pu déposer ça? Je vois les montagnes, mais qu'est-ce qui a pu dessiner ça? Seigneur, tout ça c'est magnifique, mais il y a une chose qui m'intrigue. Comment tu peux mettre ton dévolu sur l'homme? Qui est l'homme? Qui est l'homme? Qui es-tu? Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes là, qui es-tu? Ne te néglige pas, ne te sous-estime pas. Il ne faut pas qu'un minuscule de téléphone puisse te ramener à un niveau bas. Raison pour laquelle j'ai pris ce passage de Genèse 1 pour te redéfinir en fait qui tu es à la base. Tu es à l'image de Dieu. Bien aimé, excusez-moi, on va parler de descendre nos sous-vêtements pour un billet de banque. Tu vaux plus que ça.
pas pour une chemise, parce que c'est acheté, je ne sais pas, sous les Champs-Élysées. Bien-aimé, tu vaux plus que ça. Juste une parenthèse. Récemment, il y a la fille de mon frère qui est arrivée. Je l'ai ramenée, on était parti faire des courses. Après, on a fait un tour au champ. On a fait un tour à la Tour Eiffel, elle a vu. Ben après, on arrive au champ, au McDo du champ. On a fini de manger. Après, je lui ai dit, mais tu sais, c'est ça la plus belle avenue du monde. Il me dit, oh, c'est ça les choses. Je lui ai dit, oui, c'est ça. Oh, papa, c'est comme ça là. Je lui ai dit, oui, c'est ça la plus belle avenue du monde. Qui donne cette valeur? C'est le français. Il donne la valeur à sa chose. Mais quand tu te mets vraiment sur les champs, tu te poses la question, mais en quoi cette avenue est la plus belle du monde? Mais je veux te dire une chose, tu vaux plus que ça. Tu es créé à l'image de Dieu. Raison pour laquelle David pouvait dire, ok, je vois les Champs-Élysées, ok, je vois la tour Eiffel, mais quelle magnifique œuvre de Monsieur Eiffel, je vois, mais qui est l'homme? Qui je suis moi pour que tu te souviennes de moi? C'est qui je suis. C'est parce qu'il m'a créé à son image, bien-aimé. C'est parce qu'il t'a créé à son image. Bien-aimé, tu dois te poser la question sur qui tu es. Ne te livre pas à des petites choses, en fait. Ne pense pas que si tu te mets là, tu es en costume, cravate et tout, voilà, tu es bien élégant et tout, que tu as fait un effort. Tu n'as fait aucun effort. C'est un corps que Dieu t'a donné. Point. Glorifie-le. Des fois, quand tu sens, ah, mais tu es élégant, j'ai dit, oui, c'est la grâce de Dieu. C'est pas moi. Quel est l'effort que j'ai fait pour être élégant? Moi, je veux que tu te poses la question cette nuit. Dis-moi, quel est l'effort que tu as fait pour être beau ou belle comme tu es là? Tu n'as fait zéro effort. Ça n'est que sa grâce. Il t'a façonné à son image. Pas pour que tu te livres à la bêtise. Pas pour que tu te livres à Gucci, à Ralph Lauren, à qui, je ne sais pas quoi. Pas pour que tu te livres à ces personnes qui sont de la même nature que toi. C'est pour que tu puisses glorifier ton Dieu. Bien-aimé, tu es créé à l'image de Dieu. Bien-aimé, ton changement ne peut arriver que par un homme de la même nature que toi, où Dieu va utiliser. Bien-aimé, ne méprise pas les gens qui sont autour de toi. Que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, que ce soit des personnes qui ont moins de moyens que toi. Bien-aimé, ne méprise personne. Parce que Dieu, il passera par tes hommes pour te changer. Si tu es inchangeable, ok, tu vas refuser tout le monde. Tu vas attendre un Dieu que tu n'auras jamais. Tu vas attendre un Dieu que tu ne trouveras jamais. David, il dit, je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Mais ma question, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme, pour que tu en prennes garde à lui. Écoute la suite. Tu l'as fait de peu. Aïe. Je ne sais pas si tu lis cette partie. Tu l'as fait de peu, inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Je vais lui donner mon corps parce que pour avoir une voiture Mercedes. Je vais lui donner ma vie parce que je veux apparaître. Toutes ces choses-là vont te retirer ce qui est écrit là. Tu l'as couronné de gloire. Si tu te livres à ces bêtises-là, le couronnement de gloire là te sera ôté. Regarde la suite. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. On va repartir à Genèse. La Bible dit quoi? Faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? C'est de toi qu'il s'agit, c'est de moi qu'il s'agit, bien-aimé. C'est de nous. On parle de nous. Raison pour laquelle David a dit, non, je dois me rappeler de Jonathan. Plusieurs fois, Saül a voulu me tuer, mais Jonathan m'a protégé. Il m'a tellement fait du bien. J'ai vu Dieu en Jonathan. Laisse-moi rendre ce que j'ai reçu. À qui je peux rendre ça? Il n'est plus de ce monde. Ah tiens, il y a son fils qui est là-bas, monsieur. Appelez-le moi. Pasteur Bachar, que Dieu te bénisse. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Bien-aimé, c'est sur toi qu'il s'agit. Jésus-Christ est venu
pour nous donner un exemple de vie. Jésus-Christ nous a donné cet exemple. Jésus-Christ est venu pour nous donner l'exemple, pour nous réconcilier avec ce Dieu. Jésus-Christ est venu pour le faire. Mais nous sommes tous créés à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Raison pour laquelle, lorsque Dieu a voulu réconcilier l'homme avec lui-même, il l'a dit, je te donne encore. Je sais pas si on peut je sais pas si on peut retrouver ça. La partie où la Bible dit, où Dieu dit, où Jésus dit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Mais si quelqu'un peut me retrouver ça, franchement, ça me ferait du bien. Parce que là, j'aurais pas le temps de chercher. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Pourquoi il a formé encore? Pourquoi il a formé encore? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et pour réconcilier l'homme avec Dieu, il fallait qu'il y ait un homme qui s'identifie à eux-mêmes, à ceux des hommes qui sont sur la terre, afin de récupérer afin de purifier leurs péchés. Il fallait qu'il y ait un homme de la même nature que nous, d'où l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. Bien aimé, c'est même écrit dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, excusez-moi, je vais juste le prendre. 1 Pierre 2 au verset 24. 1 Pierre 2 au verset 24. La Bible dit, il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par les blessures que vous avez été guéri. Dieu était obligé de se former lui-même un corps. Il a dit, il n'a pas voulu des sacrifices des agneaux, non, il a dit, à ce niveau-là, pour remettre des choses dans l'ordre. Merci, Pasteur Léon. Hébreux 10, 8. J'aimerais bien qu'on puisse lire ça, s'il vous plaît, bien-aimé. Excusez-moi. Hébreux 10, 8. Jésus, il vit. Hébreux 18. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as grillé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Non, c'est pas la bonne version. Alors j'ai dit, voici, je viens d'en haut. Bon, en fait, je cherchais la partie où il dit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé encore. Bon, ben c'est pas grave, bien aimé. Cherchez ce passage-là. Prenez le temps de le lire. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Nous sommes réellement créés à l'image de Dieu. Et Dieu ne peut, sur cette terre, fonctionner qu'avec des hommes pour parler aux hommes. Bien-aimés, ne méprisez pas ceux qui sont autour de vous. Raison pour laquelle Jésus dit, par cette parabole, il dit, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous avez fait, que vous l'avez fait. Ne cessons pas de faire du bien, bien-aimé. Dieu n'existe pas loin. Dieu est juste à côté de nous. Lorsqu'on prend la prière de notre Père, la Bible nous demande, Dieu nous donne un modèle, il dit, lorsqu'on prie, on doit reconnaître que Dieu est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux, il vit dans les cieux, oui. Mais il n'est pas aussi loin de nous. Il n'est pas aussi loin. Pourquoi? Parce que je suis venu sur la terre. Je voulais ramener.
Pourquoi il a dit à ses disciples? C'était qu'il lui posait la question. Il dit quoi? Depuis là, tu n'as pas connu. Tu sais pas que non, le Père est en moi et moi je suis en Père. Je suis là à côté de vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. C'est moi le Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça que les pharisiens ont pris les pierres pour le lapider. Lorsqu'il a dit, la parole que vous avez écoutée, c'est, je suis là devant vous. Mais il faut avoir du culot hein, pour le dire. Il faut avoir du poids, de l'aura. Mais les gens vont te mépriser. Parce que quoi? Les gens attendent un Dieu lointain. Ce soir, que la gloire soit rendue à son nom, je vous le dis, bien-aimé. De Dieu n'est pas lointain, il est là. Il est avec la sœur famille. Il est la sœur famille. Il est la sœur Nanette. Il est la sœur Sandra. Il est le pasteur Léon. Il est le pasteur Blanchard. Il est le frère Jacques. Il est fait à notre image, à son image, à ton image. Ne méprisons pas même les prophéties. Prenons toutes choses, non? Étudions, réfléchissons. Quand l'autre te parle, que ça te plaise ou que ça te plaise pas, mais prends le temps de réfléchir. Juste une parenthèse encore par rapport à ce que un jour le pasteur Léon avait parlé d'un de ses frères qui disait, le jour où on se retrouvera dans les cieux, on se rendra compte que non, oui, les choses que nous nous sommes interdites par nous-mêmes là, Dieu ne nous avait pas donné ça comme modèle. Il faut pas faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas écouter ça. Et pourtant la Bible dit, ne négligez pas tout, mais étudiez, pensez, prenez ce qui est bien, ce qui est mauvais, vous jetez. Or, si déjà on se bloque, pouf, ah ça c'est pas bon, c'est la musique du monde, ah ça c'est pas bon, j'écoute pas ça, tout, on se bloque. Mais ce Dieu-là peut passer par ce monde-là aussi. Il passe toujours par le monde pour nous parler. Et on a créé un groupement, un groupuscule des gens qui s'appellent des chrétiens, mais où la puissance n'y existe pas. On entend des dégâts ici et là. À cause de quoi? À cause de ces interdits formés par nous-mêmes. Mais le jour où, mon ami, tu me feras du bien, simplement, tu ne me mettras pas un couteau derrière le dos, tu ne me diras pas des faussetés pour faire plaire à mes oreilles. Mais ce n'est pas mes oreilles que tu feras plaire. Mais c'est à ton âme que tu détruis. Dieu est ton prochain. Dieu est ton prochain. Jésus est ton prochain. Ne cherchons plus. Si hier tu cherchais Dieu loin, en tout cas, interroge ce Dieu-là cette nuit au travers de ce que tu as entendu de ma part. J'ai pour habitude de dire, je ne suis qu'un postier. Je viens, je dépose, je fais ma mission. Matthieu 25, 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutefois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Oh, nénénéné. Effectivement, mais ils sont créés à mon image. Et ça, bongo. Nous sommes l'imprimé de Dieu. Raison pour laquelle David se posait des questions, il me dit, mais pourquoi tu prends autant de plaisir? Pourquoi tu te sacrifies comme ça pour un être humain qui est hypocrite et ingrat à ton égard? Il dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Hé, hey, David, l'homme là c'est qui? C'est celui à qui j'ai créé à mon image. L'homme là c'est moi. L'homme là c'est moi. Nous avons la gloire. Je vais vous dire pourquoi cette gloire ne se manifeste pas, bien-aimé. Elle ne se manifeste pas. Merci, pasteur. Elle ne se manifeste pas. Parce que nous courons derrière des choses que la créature a créées. Voiture, téléphone, vêtements, la différenciation. La clim, nous on dort sous la climatisation, les autres là-bas, Africa Moto. Nous ici, Mali, du Pépélé, là-bas. Et tout ça crée une jalousie, ça crée.
de la convoitise, raison pour laquelle on ne domine pas. Mais celui qui reste sous l'abri du Très-Haut, du Très-Puissant, celui qui marche comme le Seigneur demande à ce qu'il puisse marcher, bien-aimé, je vous dis la vérité, je ne vous cache pas, il domine sur les poissons de mer, il domine sur les oiseaux du ciel, il domine sur les bétails. Bien-aimé, ça existe. Peut-être que nous ignorons, peut-être que déjà nous on domine sur ça, peut-être on ne se rend peut-être pas compte. Mais celui qui se concentre sur ce qui est de Dieu domine sur toutes ces choses-là. Moi, je vous dis, nous, la Philadelphie, les médias, là, arrêtez avec. La télévision, surtout, là, arrêtez avec. Bien-aimé, arrêtez avec. Le jour où Jésus va arriver, tu seras devant une série télévisée. Et tu vas louper. Je crois que nous l'avons déjà dit une fois, les médias sont gérés par... C'est du business. La majorité des directeurs des médias sont des homosexuels, LGBT. Donc, ce qu'eux, ils véhiculent, ça, c'est que pour la gloire de leur chef. Avant, j'étais amoureux de BFM. Oula, ça fait un moment où je ne regarde même pas ça. Moi, je ne sais même pas ce qui se passe sur TF1, je ne sais pas, non. Parce que je sais une chose, ils vont nous dire des choses qu'ils veulent nous dire. Ils parlent de l'autre dose de vaccin. Ah, on doit prendre les représentants, dire qu'ils sont malades. Au moins comme ça va toucher les gens. Ah, le premier s'est atteint. Ah, son fils, sa fille aussi. Ah non, ben, ça veut dire qu'il faut qu'on envisage de mettre la troisième dose. C'est comme ça, bien-aimé. Et comme c'est annoncé dans des canaux de communication, ça te fait peur. Mais tu es créé à l'image de Dieu. Les médias te dominent. La seule façon pour toi de dominer ça, c'est de ne plus les regarder. Or, nous, on cherche un Dieu qui n'existe pas. On cherche une dénomination qui n'existe pas. On veut des choses abracadabrantes. La parole de Dieu est simple. Bien-aimé, la parole de Dieu est simple. La simplicité est donc, quand tu vas commencer à abandonner certaines choses, tu verras aussi l'autre revers de Dieu te révéler certaines choses. Là où tu avais peur, l'esprit de courage t'accompagnera. Bien-aimé, tu es créé à l'image de Dieu. J'aimerais bien que tu imprimes ça cette nuit, que tu es créé à l'image de Dieu. Ça veut dire mensonge, impudicité, je ne sais pas quoi. Ça veut dire toutes ces choses-là doivent partir. La convoitise, ça doit partir. Parce que tu es créé à l'image. Comment tu es Dieu, tu vas convoiter les choses de... Mais comment? Je ne vous ai pas demandé de ne pas s'habiller. Non, on peut s'habiller bien, il n'y a pas de problème. Même hier, à l'époque, les rois revêtaient des tuniques bien. Il n'y a pas de souci. Mais n'en faites pas votre religion. N'en faites pas votre priorité. Tu vas détruire ta nation parce que tu veux paraître. Tu travailles quelque part, tu commences à faire des petits copes parce que tu veux toujours avoir de l'argent. Mais c'est un billet, mon ami, ça va rester. Cet après-midi, il y a un de mes amis qui m'a envoyé des images. J'aime pas trop ça, mais bon, je suis obligé de regarder un peu. Ils étaient au cimetière pour aller déposer jarre de fleurs de notre ami qui est décédé récemment. Ils ont fait des photos, ils ont fait des vidéos. Moi, je regarde la photo de mon ami, je dis, oh Seigneur. Oh Seigneur. Fais-moi grâce de ne pas m'attacher à ce monde. Fais-moi grâce, tendre Père. Fais-moi grâce de reconnaître que tu es Dieu. Fais-moi grâce de reconnaître que je suis ici pour une mission. Tu m'as dit que je suis étranger sur cette terre. Fais-moi grâce d'imprimer cela dans mon cœur. Fais-moi grâce de ramener dans le royaume de Dieu les personnes à qui tu as signé dans ma vie. Telle est notre mission. Tu es créé à l'image de Dieu. Si David s'est posé la question, bien-aimé, et toi, tu veux juste te balader parce qu'on t'a dit que dans le monde, là, quand tu viens, ouais, je viens, je mange, je bois et puis c'est bon, quoi. Tes enfants sont à l'image de Dieu.
ta femme, ton mari. Il faut savoir identifier des choses, bien-aimés. On doit tous apprendre à identifier des choses. On ne doit pas parler pour parler, réagir pour réagir. Il faut bien qu'on comprenne pourquoi j'existe. Pourquoi des syllabes arrivent à sortir de ma bouche. Mais quel est ce mécanisme qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à parler? Et mon frère, ma sœur, tu es créé à l'image de Dieu. Tu es Dieu sur la terre. Dieu t'a couronné de gloire au travers de son Fils Jésus-Christ. Pourquoi on dit au travers de son Fils Jésus-Christ? Parce qu'il fallait quelqu'un de la même nature que nous pour nous donner le pass. La Bible dit quoi? Qui est digne? Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Qui? Personne n'était trouvé digne, si ce n'est le fils de l'homme. Dieu savait. Raison pour laquelle il a revêtu à ce fils de l'homme un corps. Il lui a donné un corps, comme ton corps à toi. Jésus était beau, hein? Jésus était un bel homme. Jésus était physiquement, Jésus était un... Moi, je ne l'ai pas vu, mais je le sens. Jésus était un bel homme. Parce que quand je vois les beautés parfois qui se gaspillent, je me dis, non, mais mon Dieu, franchement, il est magnifique. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Pourquoi? Pour m'identifier à ces gens-là. Sinon, si je ne venais pas dans ce corps-là, bah moi, on en a mystérieux, bah moi, on en a Noki, bah, démon. Donc, il fallait que je m'identifie en eux. Bien-aimé, Dieu, il va te changer au travers des hommes qui sont autour de toi. Quand Jésus est venu, est-ce que son message a plu à tout le monde? Même pas du tout. L'évangile de Jésus n'a pas été pour caresser les hommes bien-aimés. Sortons de l'évangile où on dit Jésus nous a caressé. Jésus n'a caressé personne. Sinon, pourquoi on l'aurait lapidé? Pourquoi on l'a tué? Si l'évangile de Jésus était un évangile, c'était un évangile de tu sais, même quand tu pêches, il n'y a pas de problème. Dieu, demain, il va faire. Hein, t'inquiète pas, Dieu va faire. Oh, franchement, on parle maintenant à ma cassie. A éviter que nous changer battre. Ah bon? Oui, effectivement, nous avons changé battre. Mais quand il m'a. Donc Dieu en question, il change les gens tout seul. Comme ça seulement. À moi, je n'ai pas rendu. Mais ta femme, elle est comme moi. Il dit, il te faut un corps. Dieu, pour communiquer sur la terre, il faut un corps humain. C'est pour ça aussi que les démons, pour se communiquer sur la terre, il leur faut des corps. Raison pour laquelle le jour où Jésus a chassé les démons, là, ils ont dit, mais c'est trop tôt. Il nous faut un corps, il faut que tu nous envoies quelque part. On ne peut pas aller à l'endroit où c'est réservé pour nous. Pour l'instant, on doit rentrer dans un corps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son dépouceau. Bien aimé, Dieu passera par un homme pour te changer. Si tu ne veux pas, mais il va passer par quelqu'un d'autre. Et si tu ne veux pas, ben, tu es destiné à au roi, là où comme le roi là qui dit j'ai soif, qui peut, Lazare, donne-moi l'eau. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Jésus-Christ était là au commencement. Il a dit, faisons l'homme. Il était là quand Dieu dit, faisons l'homme. Jésus-Christ était là. Jésus était là. Mais pour se manifester sur la terre, pour réconcilier l'homme à Dieu, à lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un corps. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu. C'est important. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, qui a mis les lois dans le monde? C'est Dieu lui-même. L'autre fois, j'ai écrit, j'ai dit, la mort est de Dieu. Et la mort, c'est normal. Si vous vous en doutez, on va dans la Bible. Des fois, nous, on a peur de la mort. On se dit, mais qui a créé la mort? Qui a mis en place la mort? Ce n'est pas le diable. Le diable n'a rien créé. Dieu sait que le monde-là qu'il a créé, pour que je rentre dedans, il faut que je passe par Léon. Pour que Léon puisse atteindre sa telle, il faut que je passe par Léon.
Ne soyons pas comme l'histoire du vieux prophète et du nouveau prophète bien-aimé. Sincèrement, aidez-moi à gagner le ciel. Aidez-moi à gagner le ciel. Et j'aimerais bien vous aider aussi à gagner le ciel. Bien-aimé, l'année 2021 finit, je vais dire dans 38 jours, je pense. Dans 38 jours à peine, si Dieu nous fait grâce, 2021, c'est fini. On passera en 2022. Bien-aimé, ayant pour habitude de faire des bilans, bilan de santé, bilan de la relation avec le Seigneur, bilan par rapport à notre travail, bilan par rapport à notre couple, et de définir en fait des objectifs pour l'année à venir. Les blancs ont compris ça facilement. Nous, on court encore à l'église. Bien-aimés, mettons des choses à plat. Jésus dit, qui peut construire un bâtiment sans pourtant s'asseoir, calculer les dépenses avant d'engager les travaux? Nous, on engage les travaux, on n'arrive pas, on va prier. Ah, Dieu va faire. Ah, Dieu va faire. Il va faire ça comment? Donc, Dieu là, il est injuste. Donc, si Dieu il fait, donc il est injuste. Donc, il est contre ses propres lois. Donc, il est contre tout ce que lui-même il a établi. Moi, je suis convaincu d'une chose. Hein. Ceux qui se disent chrétiens sont capables de se dire, je vais me jeter du cinquième, Dieu va me sauver. Mais qui a mis en place la loi de la pesanteur? C'est pas le même Dieu, là. Essaye, tu vas tomber, tu vas te fracasser. Tu es à l'image de Dieu, bien-aimé. Tu es à l'image de Dieu. Faisons du bien autour de nous. Comme ce que le pasteur a dit la dernière fois. Faisons du bien. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Je dois arrêter à mentir à toi, pasteur. Je dois arrêter à mentir à toi, mon frère. Je dois arrêter à mentir à toi, ma soeur. Arrêtons, bien-aimé. Aimons cette présence. L'autre fois, j'ai fait une remarque pour la connexion. Pas parce que je voulais faire cette remarque. Je dis ce que je reçois, je dis ce que je ressens. Après, analysant, bien-aimé. Une heure dans sa présence, mieux vaut 1000 heures ailleurs. Chacun de nous a eu à vaquer à ses occupations durant la journée. Comptons 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16, 17, 18, 19, 20. On a passé 15 heures. 15 heures chacun dans ses zip-zip. Rien que pour une heure. Rien que une heure. Tu calcules l'heure, il est 21h, moins 5. Ok, je peux me connecter. Et parfois tu as connecté même, oh, tu es pour toi ailleurs. À qui tu fais ça? C'est pas à moi que tu fais. C'est pas à sa tête que tu fais, c'est à Dieu que tu le fais. Parce qu'il t'a créé à son image, tu es son empreinte. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une différence entre ta photo et toi. J'aimerais bien voir ça en toi. S'il n'y a pas de différence, deux fois tu contemples, tu regardes ta photo, ah c'est joli, hein. Ça je vais poster ça sur mon statut. Ah bah tu vois, moi on a remonté à Guitoc. C'est joli ça. Si tu arrives à faire ça, dis-toi, fais du bien autour de toi. Fais du bien autour de toi. Considère le moins qui est à côté de toi. Dieu ne passera que par des hommes pour te parler, pour me parler. Ces hommes-là ne sont pas définis. Ça peut être un... Je sais pas, peut-être un fou aussi, hein, j'en sais rien. Peut-être un fou. Ça peut être un fou. Un homme, je parle lui d'un homme. Ça peut être une personne qui n'a pas le même rang social que toi. Raison pour laquelle il ne faut pas mépriser les gens. C'est ce qu'il dit, non? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes... à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu a parlé entre le Saint-Esprit, Jésus et lui-même.
comment on va réconcilier les hommes là? Allez, Jésus, toi, vas-y. Toi, quand tu vas aller, après, quand tu auras achevé la mission, le Saint-Esprit reprendra le relais. N'est-ce pas hier Dieu parlait à Abraham? N'est-ce pas hier Dieu parlait à Moïse? La Bible ne dit pas autrefois tu parlais à nos pères et maintenant au travers du Saint-Esprit que nous glorifions tout le temps, que nous parlons tout le temps, on dit du Saint-Esprit, on nous met toujours au sein de l'organisation de la mensonge. Mais tu oublies une chose, le croisé du chemin, c'est la montagne de Golgotha. Le croisé du chemin, c'est la croix que Jésus est monté pour toi. Tous, on va se rencontrer à cet endroit-là. Tous, pas sur le temps que nous sommes sur la terre, mais c'est après. C'est après. Observe une chose, je vais finir par là, bien-aimé. Dans une salle de classe, lorsqu'on fait un devoir, j'aime bien prendre les exemples de notre quotidien pour nous expliquer un peu les choses un peu compliquées, mais d'une manière simple. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Lorsqu'on est dans une salle de classe, on entend de passer un examen. Chacun exerce dans sa feuille. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on fait à la fin? On prend la feuille, on va remettre chez le professeur. Le professeur, c'est Dieu. Lui, il va faire quoi? Il va maintenant corriger pour dire qui est le premier, qui est le dernier. Mais si, bien-aimé, tu n'avais pas révisé tes leçons, ce jour-là, tu vas pleurer parce que tu seras compté parmi les derniers. Gloire soit rendue à Dieu pour celui qui a percuté le message. Dit, tiens, je change de chemin. Je dois apprendre à réviser. Je dois apprendre à demeurer dans la présence de Dieu. La grâce de Dieu est donnée à ceux qui sont disponibles et disposés. Bien-aimé, je répète, la grâce de Dieu est donnée à ceux qui sont disponibles et disposés. La grâce de Dieu a été manifeste à la montagne de Golgotha. C'est ça la grâce. Le don gratuit que nous avons eu, c'est Jésus-Christ. Il y a des dictons qui nous emprisonnent. Je me porte bien par la grâce de Dieu. Il y a des dictons qui nous emprisonnent. On ne s'en rend pas compte, mais il y a des dictons qui nous emprisonnent. Dieu va faire. Comment? Il y a des dictons qui nous emprisonnent. Tu es créé à l'image de Dieu, bien-aimé. Je suis créé à l'image de Dieu. Je prie que le Père nous fasse grâce. Sur ce que j'ai rajouté de moi, que Dieu me pardonne et puisse ôter cela dans le cœur de chacun de nous. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton nom pour ce que tu es, pour ta parole. Je sais que tu passeras par ma femme. Tu passeras par mes enfants. Tu passeras par mon frère. Tu passeras par ma sœur. Raison pour laquelle, bien-aimé, faut pas cesser de parler. Il faut parler. Il faut parler. Il faut pas dire que Dieu va faire. Non, il fera pas. Il faut que tu parles parce que quand tu vas parler, je vais entendre de mes oreilles. C'est comme ça que je vais recevoir ce message de Dieu. Seigneur, je te rends grâce encore une fois de plus. Béni soit ton nom au nom de Jésus. Amen.